La super patrouille. Bonjour Matt. Bonjour Franck. Comment allez-vous ? Franck, Matt, vous avez vu ces murs ? Je me demande bien qui a pu dessiner dessus. Tu as raison, Matt. On ne peut pas laisser passer ça. Il faut arrêter le coupable. Matt, Franck, vous avez vu ? Encore des graffitis. Tu as raison, Franck. Ces graffitis ressemblent beaucoup à ceux que l'on a vus tout à l'heure. Allons attraper ce délinquant. Personne dans cette rue. Allons voir la suivante. Regardez, je crois qu'on tient notre coupable. Les roues en l'air! Vous êtes en état d'arrestation pour... Oh! Désolé, Gary. On pensait que c'était toi qui avais fait ces graffitis. Très bien. Allons chercher le vrai coupable cette fois-ci. Rien de suspect par ici. Là non plus. Bonjour, Suzy. Oui, on a remarqué aussi ces graffitis sur les murs. On essaye d'arrêter le coupable. Sois prudente. Regardez! Qu'est-ce que Billy fait ici? Cette fois, c'est sûr, on a trouvé notre coupable. Arrête tout de suite ce que tu fais, Billy. On sait que c'est toi qui as dégradé ces murs. Oh, désolé, Billy. Je crois qu'on a fait une erreur. Tu es très occupé par ton travail. Excuse-nous, Billy. Allez, on part à la recherche de notre vrai coupable. Au revoir. C'est une grosse erreur qu'on a fait là. On doit faire plus attention la prochaine fois. C'est vrai, on ne peut pas continuer à accuser des innocents. C'est injuste. Regardez, Tyler près d'un commissariat à moitié dégradé. C'est très suspect. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'on intervient? Super. Les roues en l'air, Tyler. Arrête-toi! On sait que c'est toi qui as fait ces graffitis! Et en voilà la preuve! On te tient! Oh! Tyler s'échappe! Attrape-le, Matt! Plus vite! Plus vite, Matt! Je sais, Matt. Tyler est trop rapide. Oui, appelons Hector, l'hélicoptère. Hector, on a besoin de ton aide pour attraper Tyler. Viens vite. Tyler est trop rapide. Il faut que tu accélères, Hector. Allez, Hector, plus vite! Ne le laisse pas s'échapper! Continue! Attrape-le! Super, Hector! Bien joué!
Merci, Hector. On n'aurait pas pu le faire sans ton aide. À bientôt. Faut réparer à moitié pardonné. Bien joué, Matt. Bien joué, Franck. À la prochaine, les amis. Salut, Matt. Oh, tu travailles dur, hein? La ville me paraît paisible. On dirait que les fauteurs de troubles dorment tous. Chut, Matt! As-tu entendu quelqu'un pleurer ou est-ce mon imagination? Allons vérifier. Regarde, il y a Ben le tracteur. Bonjour Ben. As-tu entendu quelqu'un pleurer? Allons réveiller Gary, le camion poubelle. Il sait peut-être quelque chose. Bonjour Gary. Désolé de te déranger, mais as-tu entendu quelqu'un pleurer? Rien ici. Allons voir dans cette rue. C'est Suzy, la petite voiture rose. Bonjour Suzy, que fais-tu ici? Tu as un problème? Oh, les lampadaires ne fonctionnent pas et tu as peur dans le noir. Je comprends. On ne voit pas grand-chose ici. Tout va bien, Suzy. Tu es entre de bonnes mains. Mais tu aurais pu utiliser tes phares. Oh, ils sont cassés. Pas étonnant que tu aies eu peur. Mais ne t'en fais pas, Suzy. Matt va te ramener chez toi. Hé hey Matt, où vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai compris. Franck est à deux rues d'ici. Hé hey Franck, nous avons besoin de ton aide. Suzy a besoin de rentrer chez elle, mais ses phares sont cassés et la rue est trop sombre pour elle. Peux-tu nous aider? Merci Franck. Les amis, vous pouvez escorter Suzy jusque chez elle? Ne t'inquiète pas, Suzy. Matt et Franck vont t'accompagner. Oh, vous avez entendu ce bruit? D'où cela venait-il? Regardez cette ombre! On dirait un monstre effrayant! Peut-être devrions-nous faire demi-tour? Oh mais non! C'est Billy le bulldozer! Il est somnambule! Hé hey, Billy! Réveille-toi! Réveille-toi Billy! Billy, peux-tu nous dire comment retourner à Car City Centre? Génial Billy! Merci beaucoup! Et s'il te plaît, essaye de ne pas conduire quand tu dors. Au revoir, Billy. À bientôt. Voilà, Suzy. Tu es arrivée saine et sauve.
Au revoir, Suzy. Et n'oublie pas de faire réparer tes phares à la première heure demain. Matt, Franck, à la prochaine fois, les amis. Au revoir. Tom la dépanneuse. Salut Flavie, qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, oh, tu perds de l'essence. Tu t'es cogné quelque part? Non? Ne t'en fais pas. Reste ici Flavie. Tom la dépanneuse peut arranger tout ça en un rien de temps. Hé hey, Tom! Tom, tu m'entends? Tom! Tom? Oh, enfin! Je crois qu'il y a du travail qui t'attend. Flavie, le camion à plateau a besoin de ton aide. Allons-y. Par ici. Tom, viens à ton secours, Flavie. Il est temps de l'amener au garage. J'ai l'impression que ça va demander beaucoup d'efforts. Nous devons réparer Flavie rapidement, avant qu'elle n'ait perdu toute son essence. Bon travail! Continue comme ça. Et voilà, nous sommes arrivés. Tom, je crois qu'il faut que tu te reposes un peu. Parfait. Alors, qu'en penses-tu? Oui, il faut réparer les réservoirs de Flavie. Oui, là, Tom! Il y a un trou qu'il faut boucher. C'est de là que s'échappe l'essence. Et que faisons-nous maintenant? Oui, bonne idée. Il faut souder le réservoir. Fais attention, Flavie. Ça va être très chaud. Super travail, Tom! Et te voilà réparé! Cette remorque m'a l'air vieille et endommagée. Qu'en penses-tu, Tom? D'accord, remplaçons-la. Tu vas avoir une nouvelle remorque. Tu es contente, Flavie? Waouh! Nous en avons trouvé une! Mais celle-ci est plus longue que l'ancienne? Oh non! Comment allons-nous faire? J'ai compris. Tu vas mettre de nouvelles roues. C'est une idée géniale, Tom. C'est super.
Maintenant, tu peux transporter des choses encore plus grandes. Je crois que notre travail est fini. Qu'est-ce que tu en penses, Flavie? Excellent. Oh non! Nous avons failli rater ça. Oui, tu as raison. Nous devrions aussi lui changer ses phares. Est-ce que ça ira, Tom? Oh, d'accord. Et ceux-là? Super! Ils vont être parfaits pour Flavie. Essaie-les maintenant. Voyons s'ils marchent bien. Très beau travail, Tom. Au revoir, Flavie. À plus tard. Au revoir, Tom. À bientôt. Bonjour Francis. Tu as une grosse journée, on dirait. Hey Francis, est-ce que tu vas bien? Oh, ça aurait pu être dangereux. Ne t'inquiète pas Francis, on peut te faire réparer. Attends ici, je reviens avec Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Hé, Tom! Est-ce que tu retournes au garage? Écoute, Tom, tu devrais faire demi-tour. Francis, le monte-charge, a un problème. Il a besoin de ton aide. Merci, Tom. Tu es vraiment gentil. Viens, allons aider Francis. Mais où est Francis? Ici, Tom! Super travail, Tom! Francis nous attend! Oh, attention, Tom! Hey, Francis! Tom est là pour t'aider! Direction le garage, tout le monde! Et c'est parti! Alors, que faisons-nous en premier, Tom? Ouh, la fourche s'est pliée et c'est dangereux! Tu as raison. Changeons la fourche. Celle-ci fera l'affaire, Tom? Oui? Parfait! Il est temps de retirer la vieille fourche pour la remplacer par une neuve. Et c'est fait! Tu es superbe, Francis! Oh! Regarde, Tom! Cela devrait être repeint! Là, Tom! Est-ce que cela fera l'affaire? C'est parti pour une nouvelle couche de peinture. Super travail, Tom! Tu es vraiment plus beau maintenant, Francis.
Oh oh, nous avons encore quelque chose à faire, Tom. Oui, nous devons faire quelque chose pour les feux de détresse. Celui-là? Ah non? Ok, et que penses-tu de celui-ci? Non plus? Et celui-là? Parfait! Super travail, Tom! Tout est parfait maintenant! Amuse-toi bien, Francis! Au revoir! Au revoir, Tom! À bientôt! Carl, le camion transformeur! Bonjour, Gary! Que se passe-t-il? Oh non! Ton pneu est à plat? Que vas-tu faire maintenant? Oh! Il faut faire tout ce travail aujourd'hui? Ne t'en fais pas, Gary. Nous allons demander à Carl, le camion transformeur, de te remplacer pour la journée. Il va pouvoir t'aider. Super! Je vais le chercher! Hé, Carl! Gary, le camion poubelle a besoin de ton aide. Peux-tu venir? Super! Allons-y! Quel véhicule vas-tu te transformer? Bien sûr, en camion poubelle! Il est temps de commencer ta transformation, Carl! Parfait, Carl! Allons chercher Gary, le camion poubelle! Regarde, il nous attend là-bas. Carl va nous aider, Gary. Super. Alors, mettons-nous au travail. Parfait. C'est le moment de vider les ordures dans la benne. Super!
beau boulot, Carl. Il ne reste plus qu'une poubelle. Bravo! Et voilà le travail! Parfait! Hein? Eh bien, le travail est terminé! Bravo. Tu es notre héros! Merci beaucoup, Carl. Ouais. Oh. Il est temps de rentrer à la maison maintenant. Au revoir, Carl. Pardon. À bientôt. Au revoir, Gary. Bonjour, Cathy. Comment vas-tu? Ça alors, tu vas si vite. C'est dur de te suivre. Waouh, ça a l'air amusant. Fais attention, l'autre voiture. Ah, il y a moins de trafic ici. On respire mieux. Hé, hey, Cathy, attention! Oh, Cathy, ça va? Appelons Tom. Il va te réparer très vite. Attends ici, d'accord? Hé, hey, Tom! Cathy, la petite voiture de course a des ennuis. Pourrais-tu l'aider? Alors dépêchons-nous, Tom! Prends à gauche, Tom. Très bien. Tourne à droite. Par ici. Nous y sommes presque. Regarde, Tom. Cathy est là. Allons-y. Hé, hey, Cathy. Tom est arrivé. Il n'y a plus de soucis à se faire maintenant. Tu es entre de bonnes mains. Allons au garage, Cathy. Es-tu prêt, Tom? Allons-y, alors. Nous y voilà. Nous sommes arrivés au garage. Cathy, Tom va t'examiner minutieusement maintenant. Oui, Tom. Cathy a besoin d'une nouvelle roue. Celle-ci peut-être, Tom? Non, c'est la roue de Frank. Que dis-tu de celle-ci? Non plus. C'est une roue de tracteur. Celle-ci? Parfait. Formidable, Tom. Ah oui, tu as raison. Nous allons devoir remplacer la portière. Elle est trop abîmée pour être réparée. Quelle portière choisirais-tu, Tom? Celle-là? Ah non? Et celle-ci? Non plus? Alors que penses-tu de celle-là?
Cette portière convient parfaitement pour Cathy. Et en plus, c'est la même couleur. C'est parfait! Maintenant, changeons le garde-boue. C'est un modèle à la mode. Je pense que Cathy va l'aimer. Waouh, superbe! Qu'en penses-tu, Cathy? Hé, hey, Tom, à quoi penses-tu? Allez, dis-le nous. Tom, qu'est-ce que c'est? Hé hey oh, tu es un farceur, Tom. Cathy a droit à un bon nettoyage. Waouh, Cathy, tu es propre comme un sous-neuf. Bien, tu es prête pour partir. Super. À la prochaine fois, Cathy. Et fais attention aux éboulements. Tom. Hé, Tom. Debout maintenant. Le téléphone sonne. Alors, que se passe-t-il? Oh, Ben, le tracteur est tombé en panne. Allons l'aider. Ben, ça va aller. Tom est en chemin. Il va te réparer en un rien de temps. Tom, où peut bien être Ben? Ben? Regarde, Ben est ici. Dépêchons-nous. Salut Ben, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben dit que son moteur est en panne. Et en effet, il l'est. Direction le garage, Ben. C'est parti! Nous voilà au garage. Ben, Tom va s'occuper de toi maintenant. Commençons par du nettoyage. Te voilà propre comme un sous-neuf, Ben. Et c'est grâce à Tom.
Alors Tom, qu'est-ce que l'on peut faire? Ah oui, tu as raison, il faut changer le moteur. Il a l'air vraiment en mauvais état. Est-ce que celui-là fera l'affaire? Tiens, voilà le moteur parfait pour Ben. Ben, regarde, Tom t'a trouvé un nouveau moteur. Excellent travail, Tom. Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Il y a un autre problème? Ah, le rétroviseur est cassé! Oh, on a failli ne pas le voir! Je suis sûr que ce n'est pas du tout un problème. N'est-ce pas, Tom? As-tu trouvé, Tom? Je parie que oui. Te voilà avec un nouveau rétroviseur, Ben! Génial! Te voilà complètement réparé! À la prochaine, Ben! À très vite, Tom! Salut Stan! Tu as l'air très occupé? Quelque chose ne va pas, Stan? Essaye encore une fois. Oh mince! Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas? Appelons Tom la dépanneuse! Il pourra t'aider! Oh, te voilà maintenant collé à la poubelle! Tom! Tom, réveille-toi! Stan, le camion poubelle, a besoin de ton aide! Il se trouve deux rues plus bas! Allons-y! Par ici, Tom! Stan ne devrait plus être loin. Regarde, il est juste là. Stan, Tom est arrivé. Il va t'aider à te débarrasser de cette poubelle. Allez, direction le garage pour la réparation. Allons-y! Nous voilà au garage. Commençons. Tom, est-ce que tu es prêt? Ok, Stan, essaye de te débarrasser de la poubelle une nouvelle fois. Alors, quel est le problème, Tom? Est-ce que tu penses que les bras mécaniques doivent être changés? Non? Tu as raison, ils ont l'air en bon état. Prenons une clé à molette pour les réparer.
Regarde par là, Tom, en haut de l'étagère. Super, Stan! Te voilà libéré! Waouh! Il fonctionne parfaitement maintenant! Bravo, Tom! Ah! On dirait bien que les roues de Stan sont dégonflées! Super! Un manomètre! Cela permet de mesurer la pression des pneus. Tu fais ça très bien, Tom. Ensuite, Tom. Très bien. Débosselons cet enfoncement. Parfait! Le voilà parti! Voilà, Tom! On a fini! Hé, Stan! Tu as l'air rassuré? Et c'est grâce à Tom! À bientôt, Stan. Eh, fais attention à ne plus te coller à de nouvelles poubelles. Oh, merci, Stan, de t'occuper de la poubelle de Tom. Super travail, Tom. À très vite. Bonjour, Ambre. La journée est terminée? Tu as l'air fatiguée? Il est temps de rentrer à la maison. Ambre, que se passe-t-il? Tu as un problème? Oh non, te voilà en panne. Quelqu'un doit venir te réparer. Appelons Tom la dépanneuse. Il n'habite pas loin. Lui pourra t'aider. Tom! Tom! Ambre a besoin de ton aide! Viens vite! Ambre se trouve près de l'hôpital. Regarde le panneau, Tom! L'hôpital n'est plus très loin! On y est presque! Oh! La voilà! Ambre, tu es sauvée! Maintenant, tu n'as plus d'inquiétude à avoir! Tom va te réparer! Parfait, Tom! Maintenant, direction le garage! Nous y voilà. Alors, Tom, tu es prêt?
C'est parti! Ambre, peux-tu essayer de démarrer une nouvelle fois? Bizarre. Peut-être que cela vient du moteur. Non, il est en parfait état. D'où pourrait donc venir le problème? Peux-tu voir quelque chose là-dessous? Oh, le pot d'échappement est cassé! Que devrions-nous faire, Tom? Le ressouder! Très bonne idée! Et ensuite? Ah, tu penses qu'Ambre a besoin de nouvelles jantes? Celle-ci peut-être? Oh, elles sont trop grandes? Celle-là? Entendu. Je suppose qu'Ambre peut repartir maintenant. Ah, pas encore, on dirait. La sirène d'Ambre est cassée. Il va falloir la changer, Tom. Super! Je pense que nous avons trouvé la parfaite sirène pour Ambre! Très bon choix, Tom! Ambre est parfaite comme ceci! Et c'est grâce à toi, Tom! Il est l'heure d'y aller maintenant! Au revoir, Ambre! Et encore bravo, Tom! À très vite! Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Tu as un problème? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Tom, ton ami Franck est en danger. Il faut que tu ailles l'aider. Oh, Franck ne se trouve pas ici. Peut-être qu'il est là-bas. Regarde, Tom, nous avons trouvé Franck. Allons l'aider. Sinon, la ville ne pourra plus être protégée des flammes. Salut, Franck. Te voilà sauvé.
Tom est arrivé. Parfait. Retournons au garage. Ok, Tom. Prêt pour réparer le camion de pompiers? C'est parti! Commençons par changer le pare-choc. Il est tout cassé. Celui-là a l'air parfait. Waouh! Il te va comme un gant. Qu'y a-t-il ensuite, Tom? Bien sûr, il faut changer les roues. Nous en avons besoin de 6. Du coup, quelle pile de roues allons-nous choisir, Tom? Bien sûr, celle-ci. Super, Tom! Oh, le réservoir est percé! Il faut le refermer, sinon l'eau ne pourra pas y être stockée. Waouh, Tom! Est-ce que tu vas refermer le trou avec ce soudeur? Bravo, Tom! Tu es superbe, Franck. Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Penses-tu à autre chose? Mais oui, bien sûr! Une toute nouvelle échelle! Vois-tu autre chose à réparer, Tom? Ah, tu as besoin d'un nouveau gyrophare, Franck! Tom, peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Génial, Tom! À bientôt, Franck! Et excellent travail, Tom! À la prochaine! Salut, Jérémy! Comment vas-tu? Jérémy, attention! Regarde devant toi! Oh! Tout va bien, Jérémy? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra te réparer. Attends-nous ici, d'accord? Tom! Hey, Tom! Jérémy, le taxi a besoin de ton aide. Allez, dépêchons-nous! À gauche. Oh, passez vite, Tom. Il y a un feu rouge. Et c'est reparti. Jérémy, Tom est arrivé. Il va pouvoir t'aider. Direction le garage, Jérémy. C'est parti! Nous voilà au garage.
Allez, au travail. Par quoi doit-on commencer, Tom? Très bien, commençons par changer la grille avant. Cela doit faire mal. Celle-là a l'air parfaite. Ah, tu as déjà meilleure mine, Jérémy. Maintenant, voyons voir ce qui ne va pas avec ce moteur. Bien sûr, il faut le changer. Regarde par là, Tom. Est-ce que celui-là ira? Retirons l'ancien moteur et remplaçons-le par le nouveau. Génial! Tom, regarde cette grosse fissure sur le pare-brise de Jérémy. Cela peut être dangereux. Prêt, Jérémy? 1, 2, 3. Maintenant, il faut te trouver un nouveau pare-brise. Celui-ci, Tom? Effectivement, il sera trop grand pour lui. Et celui-là? Parfait. Super! Te voilà comme neuf, Jérémy! Oh oh! Ce signal lumineux est cassé! Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Voilà exactement ce dont on a besoin, Jérémy, non? Super, Tom! Du coup, lequel doit-on choisir? Celui-ci, Tom? Alors celui-là? Parfait. Allez, remplaçons-le. Ce nouveau signal lumineux brille parfaitement. Jérémy a l'air ravi. À bientôt, Jérémy. Passe une bonne journée. Et toi aussi, Tom. À la prochaine. Tom, réveille-toi. Le téléphone sonne. Il semblerait que Matt, la voiture de police, soit en panne. Allons l'aider. Mais où peut bien se trouver Matt? Est-ce que tu le vois, Tom? Peut-être est-il du côté de l'aire de jeu? Oh non, il n'est pas là non plus. Regarde devant toi, Tom. Nous l'avons trouvé. Allons voir ce qu'il se passe. Salut, Matt. Tu n'as plus d'inquiétude à avoir. Tom est là pour t'aider. Parfait. Retournons au garage.
Par quoi pourrait-on commencer, Tom? Parfait. Changeons le moteur en premier. Enlevons l'ancien moteur et replaçons-le par un nouveau. Sais-tu où l'on peut trouver un nouveau moteur, Tom? Celui-là fera parfaitement l'affaire. Qu'avons-nous d'autre à faire, Tom? Ah, exact. Changeons les roues. Pour changer les roues, il faut surélever Matt. Quelles roues iront à Matt? Celles-là, peut-être? Tu as raison. Elles sont trop grandes pour Matt. Alors celles-ci? Tu as raison, ce sont des roues de vélo. Celles-là seront parfaites. Qu'y a-t-il, Tom? Mais bien sûr! Un tout nouveau gyrophare pour Matt! Quelle bonne idée! Waouh, Matt! Tu es comme neuf! À la prochaine, Matt! Et bravo pour ton super travail, Tom! À bientôt! Hé, abonne-toi!